Draw a segment OI of length 4 cm. Trace un segment OI. OI de longueur 4 cm. Bien, à peu près. Draw the circle of center O and of radius 2,6 cm. Centre O, rayon 2,6, 2,6. Je trace le cercle et je le mets encore une fois comme un arc plat en bleu, 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 bleu. Bleu, 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 bleu. Voilà. Rayon 2,6. D'accord. Then the circle of center I and of diameter 5 cm. Si le diamètre est de 5 cm, le rayon c'est combien? Eh bien sûr, le rayon, tout le monde sait que c'est la moitié. La moitié du diamètre, 2,5. 2,5, centre I, je trace le cercle de rayon 2,5. Allez, on le trace en rouge, que ça ne fasse pas du grabuge. Jolie expression que j'adore. Je la trace en rouge, que ça ne fasse pas du grabuge. Bien. They intersect at A and B. Ils se coupent en A et en B. Ouais. Juliet says, le quadrangle O, A, I, B is a diamond. Ça veut dire en français que le quadrilatère O, A, I, B, c'est un losange. Is she right? Justify. Est-ce que la raison? Justifier. Alors, oh, il semble que c'est un losange. A diamond. Like diamonds in the sky. Like diamonds in the sky. Alors, combien ça fait OA? 2,6. Et OB? 2,6. IA, 2,5. IB, 2,5. Alors, vous voyez la chose? Est-ce que c'est exactement un losange? Ben, ceux qui sont... Allez, monsieur, 0,1, c'est pas grave. Oui, c'est grave. L'exactitude, mon cher. Ce n'est pas un losange. Pas un losange. Pas un losange. Il faudrait que tous les côtés soient égaux. Tant que 2,5 n'est pas égal à 2,6, ce n'est pas un losange. Ah, vous voulez savoir un nom pour ce quadrilatère? Je vous dis, mais dites ça à personne, que ça s'appelle un cerf-volant. Oui, un cerf-volant. Vous avez vu des cerfs qui volent? Voilà, c'est un cerf-volant. Expression très belle. En anglais, c'est kite. Pas très beau, hein, kite. Kite, en français, cerf-volant. Eh oui, il y a des cerfs qui volent. Mais oui, en France, il y a des cerfs qui volent. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que c'est un cerf-volant? Ben, c'est un quadrilatère qui est symétrique par rapport à une diagonale. Regardez, la diagonale OI, je fais le symétrique de OAI sur, par rapport à OI, on tombe sur OBI. Voilà. Un autre cerf-volant, si vous voulez. Voilà, ce triangle et ceux-là sont symétriques par rapport à OI, A et A'. Voilà, mais ça suffit pour les cerfs-volants. Il y a même des concours de cerfs-volants, mais pas de ceux-là.